Mais bonjour YouTube, quoi, c'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Axiom Verge, le 2 vient de sortir, j'ai jamais joué au 1, donc faisons le 1. Voilà. Nouvelle partie. Et là, pour le coup, j'ai absolument pas attaqué de près ou de loin le jeu avant de commencer le stream. Donc, j'y vais en blind. Salut Simiesque. Nouveau-Mexique, 2005. Phrase, c'est chargé et prêt. Merci Hammond. Début des impulsions, maintenant. Si seulement ça pouvait fonctionner cette fois. Alors si jamais vous voyez que je... que j'ai vraiment du mal à trouver certains trucs, etc., n'hésitez pas à me filer un coup de main. Je vous dirai, à la limite, je vous dirai quand je considère que j'en suis au point où j'ai besoin d'aide, mais... n'hésitez pas clairement à me dire où il faut que j'aille au cas où. Phrase, on a un problème. C'est l'histoire de la création du premier île de Vibrant, c'est ça. C'était en 2005. C'est des morceaux de pierre et des bouts de verre, vous devriez peut-être pas rester dans le chemin non plus. Quand le bâtiment s'est effondré sur moi, j'ai cru que c'était la fin. Il y a un bouton pour sauter... Ah, merci Saris. Tu vois, voilà, c'est le genre d'info dont j'ai besoin, ça. Disons juste que les choses ont été bien différentes. Ah. Faut que tu tues le boss de fin. Ok, noté, merci. Est-ce que ma barre de vie pourrait être encore un peu plus petite, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai l'impression que je peux prendre un demi-coup sans complètement mourir. Taras, réveille-toi, Taras. Pardon, non, mais c'est... on n'a pas gardé les cochons ensemble, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a également un bouton pour tirer. Il y a arme dans la pièce d'à côté. Tu dois la récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là! S'il te plaît, réponds-moi. Un geste suffit, moi. Est-ce que tu m'aperçois? Eh, oh, 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 wow, wow. Appuyez sur... Oh, 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 bon, j'ai bon, j'arrête. Est-ce que c'est dans la pièce de l'autre côté qu'il y a l'arme? Parce que je... Non, la pièce de l'autre côté est fermée. Est-ce que vous saviez que les cornflakes, à la base, étaient un médicament créé par le docteur Kellogg's pour baisser l'appétit sexuel? Fun fact. Truc médical pour soigner l'hystérie en hôpital psychiatrique, alimenté par du charbon. Par le médecin pendant les séances de soins. D'accord. Ah ben voilà, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Une arme biomécanoïde de haute technologie utilisée X, position de verrouillage LB. Est-ce que c'est l'arme dont vous parlez, la flamme? Ou était-elle le produit de mon imagination? C'est une bonne question. Désolé, je suis très faible. Tu dois partir maintenant, avant qu'il ne te retrouve. Avant que qui me retrouve? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'elle a encore disparu. C'est quoi cette histoire de position de verrouillage? D'accord, ça permet de rester en place et tirer dans tous les sens au besoin. D'accord, ok, ok. C'est quoi ce réponse-message qu'elle fait, Jocelyne, ces derniers temps? Parce que ça m'inquiète un peu. Il va falloir que je regarde ce que c'est que ce nouveau bordel. Ah mais mantel rouge, je... voilà. Ici, tu sais, c'est un stream culturel, hein, je le dis toujours. Et culturiste aussi, parce que mon corps est une invitation au plaisir chaque jour. Mais... Alors ça, pour le coup, je vous le dis tout de suite, hein, l'histoire du... de Jocelyne qui fait des messages bizarres, ça n'est pas une storyline que je suis en train de mettre en place, et je ne sais vraiment pas ce que c'est. Il va falloir que je fouille. Ce n'est pas pour annoncer qu'on va reprendre Kingdom Hearts 3 en stream. C'est ce que j'essaie de vous dire. Est-ce que je peux tirer vers le bas? Oui. Est-ce que c'est risqué? Oui, mais en même temps, est-ce que je suis un aventurier de l'impossible? Bien sûr. Est-ce
Est-ce que je peux wall-jumper sur ces trucs-là? Non. Est-ce que ta mère, elle va jumper? Oui, c'est ce que je veux dire. Ah, je peux pas wall-jumper du tout, mais j'ai un super plan. Regardez-moi ces strats. Déjà le king du game, quoi. Déjà le boss du game. Déjà j'ai payé la côte est pour devenir le boss. Est-ce que j'ai une touche pour voir la map? Oui. Il y avait une porte de l'autre côté aussi. Je dirais à tes copines, je ne dirais rien. Salut Jokzin, bienvenue dans la maison du bonheur. Est-ce que Tempête, maintenant que je t'ai donné un titre honorifique, tu te sens l'obligation de faire comme Sinaël? C'est normal. Sinaël n'a jamais sorti un fun fact avant d'être appelée princesse Sinaël, il faut le savoir. Oh, ça devient scary ça. Alors je devrais peut-être pas être là. Tout va bien. Aïe! Non, je ne devrais pas être là. D'accord. Bien sûr que je suis sérieux. Est-ce que j'ai l'air de déconner? Petit, au bout d'un moment, voilà, c'est bien, je comprends que on n'essaye pas trop d'être en avant, etc. Mais au bout d'un moment, voilà, faut se mettre un peu dans une ambiance un peu plus digne du rang. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on tire pour casser la barrière. Par contre, je peux pas tirer dans les coins. Ça n'a aucun intérêt. La musique est très très bonne. T'as un gars qui se réveille, il va chercher un fusil, car il voit dans sa tête, lui dit, il tire sur ceci, bouge alors que personne n'attaque. Alors, il y a des trucs qui m'attaquent. Mais peut-être qu'il répond juste à mon attaque. Tiens, ça c'est à moi par contre. C'est à moi? Oui, c'est totalement à moi ça. Tire une fois, lance un gros projectile, tirer à nouveau le fait exploser. Sélectionner, utiliser. D'accord. Ok, je peux. D'accord, ok, d'accord. Ça y est, on y est. Du coup, si on retournait dans l'endroit qui me demandait de tirer dans les coins, ça pourrait marcher. Est-ce qu'on pourrait garder ça? J'ai munitions infinies sur ces trucs-là? Très bien. Ok, du coup... Voilà, d'accord. D'accord. Et très bien, Storm. Après, j'ai aussi Bloodstain en stock, qu'il faudrait que j'attaque le Bloodstain moderne, guillemets. Le vrai Blood... Enfin, le vrai Bloodstain. Le Bloodstain non 8 bits. La question, c'est la manière la plus optique de gérer ce passage. C'est ce que je suis en train de faire.
clairement, je suis au top de mon game. Ok, je suis sûr qu'on le trouve. Oui, ça c'est pas de la santé par hasard ? Si. Ok, alors imaginons que je change d'arme et que je reprenne l'arme de base. Est-ce que ce serait pas plus simple pour cette merde-là ? Pas prendre de dégâts supplémentaires actuellement. Parce que je ne sais pas quel est le système de sauvegarde dans ce jeu-là. Mais j'imagine qu'il faut aller à des points de sauvegarde pour sauvegarder, et sachant qu'on n'est pas pris un seul. Il y a un truc là-haut. Ok, on va rechanger d'arme. On est sauvé. Sauvé parce que ça c'est pas du tout des emmerdements. Oh putain, vous êtes chiant. Oh, vous êtes power chiant. C'est une stratégie légitime, d'accord ? Si quelqu'un vous pose la moindre question, c'est une stratégie entièrement légitime. The hypest gameplay on Twitch TV ! Qu'on me dise pour les sauvegardes, je veux bien qu'on me dise pour les sauvegardes. Remarquez, je suis de nouveau full health, quoi. C'est ça de ne jamais craindre. Ah bah voilà ce qui se passe ici. Je me disais aussi. Je me disais qu'ils allaient pas faire ça comme ça. Augmente la taille de vos projectiles de vos armes de façon permanente, mais j'aime. J'aime. Eh ben on n'est pas venu pour déconner ici. Et de toutes mes armes, c'est-à-dire que si je prends celui-là aussi, c'est... Ah ouais, sympathique. Ça valait le coup. Lâche sur projectile. Get a bigger projectile in 12 days. Bon. Partons de la base qu'une de ces salles vers le bas sera peut-être une salle de sauvegarde ? Celle-là d'abord. Pas du tout. Pas du tout, mais l'aventure. Je suis quand même allé au bon endroit de base. Hein. C'est pas du tout une victoire du game design, c'est une victoire personnelle. Je pouvais save dans la salle de départ. Mais qui est con cet homme ? Bien vu ton rôle. Si je m'écoutais, tu serais employé du moins.
Enfin, juste après Metz, hein, parce que ça fait pour des pures raisons. Énormément de raisons, du coup. Mais tu serais deuxième employé du mois. Bon, heureusement que je m'écoute pas, hein, parce que... Voilà, pour des raisons assez évidentes, hein, au niveau juridique déjà, donc on y va. Salut! Moi, je viens pour donner du plaisir aux kids. Attendez, quand je dis du plaisir aux kids, rien du sexual, hein. Moi, je suis là pour le fun. Ah, tu es chiant, toi, ennemi. Ennemi qui m'a fait beaucoup de mal. Ok, donc tout ça pour ça. Je veux bien que tu m'expliques les saves et les morts. Oui, tempête. Alors déjà, les saves me rendent la santé, ça c'est une excellente nouvelle. Ensuite, il y a un truc qui est planqué là-haut. Vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Parce que cette salle fait deux étages. Non, il n'y a rien de planqué là-haut. C'est moi ou mes projectiles sont de nouveau de taille normale? Non, c'est pas possible. Tu meurs, tu gardes la map et les objets. Ah! Bon, ça va du coup, oui. Ça va. Non, mais je pense pas qu'il y ait une salle de boss dans les temps qui viennent. Je pense pas qu'ils mettraient une save et une salle de boss juste à côté. Et... Non, c'est pas le genre de jeu. C'est pas ce genre de jeu. Non. Puis ce bruit, il est pas inquiétant au bout d'un moment. Il faut pas... Voilà, faut arrêter de psychoter, quoi. Mais non. Ben, boss, qu'est-ce que... Pensez que c'est un boss, ça? Enfin, je suis pris au piège. Démon. Tu peux parler, hein. Je suis perdu et... Démon, Athos a dit tuer. Du coup, vous voulez négocier ou... J'ai l'impression que vous n'êtes pas ouvert à la négociation. C'est pas la meilleure arme pour ça, attendez. J'ai une autre arme, on va essayer. Ah si, parce qu'il y a des espèces de bachats qui... Oui, d'accord. Qu'est-ce que... Non mais elles sont chiantes, là, tes lignes, Kevin. Est-ce que je peux y détruire ? Non, je peux me prendre des dégâts et fermer ma gueule. Très bien. Apparemment, ça c'est la bonne technique. Moi, c'est dans le coin. Est-ce que tu fais des dégâts ? Aïe. J'aime que le truc de santé faible sur lequel se le rythme de la musique. Et merde. Bon. Peut-être utiliser l'autre arme du coup. J'ai l'impression qu'on avait plus de succès avec l'autre arme même si elle fait moins de dommages. Je suis à peu près sûr que c'est ça le trade. C'était quoi ça? Tu es mort. Nous avons sauvé les machines esprits. Quoi? Désolé, mademoiselle, je pense, j'espère que j'ai mal compris. Tu pourrais réexpliquer ça? Sans ces dingues, je suis mort, est-ce que je suis toujours moi? Ça, c'est scientifique. Je peux tirer en diagonale? C'est vrai que je peux tirer en diagonale. Avec ce bouton-là, oui. Essayons quand même la Nova. Je pars de la base que s'il me donne cette arme-là avant le boss, il doit y avoir une logique. D'accord, je dois pas être dans le rayon quand elles explosent, mais je peux être dans le rayon avant. D'accord. Genre pas là, quand même. Hop.
merde. Et merde. Faut que je maintienne la gâchette pour tirer de diagonale parce que sinon je me déplace trop. Non, j'ai pas vu qu'il y en avait de là en bas. Et merde. Ok. First try. First try. Easy WP noureux. On va peut-être aller sauvegarder tout de suite. Parce que je suis un pleutre. Il m'a pas donné un objet, quelque chose ? J'aurais dû... Bah si, l'objet est là. Foreuse laser ! Capable de découper la roche. Foreuse laser qui était aussi le nom de mon profil sur Adaptamec d'ailleurs. C'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. Mais vous me laissez faire, vous avez pas honte. Pardon. Ça se passe bien ça ? Je peux essayer de le faire ? Oui, ça se passe bien, oui. Ah, donc on peut aussi forer au milieu de certains trucs normaux. Améliore les dégâts des armes et des objets de façon permanente. Ah oui, maintenant je fore beaucoup plus rapidement. Vous notez les ladies ? Ah oui, toi j'ai bien fait de t'éviter. On va sauvegarder quand même, par acquis de conscience. Alors maintenant je suis censé creuser dans quoi ? Parce que tu m'as pas filé ça de manière innocente, ça j'en suis certain. Tu veux que je creuse un truc ? Mais où ? On va voir. Par ici, peut-être ? Oh, je pense que ça peut avoir un rapport avec ici, ouais. Vous savez quoi ? Eh, j'ai ce petit instinct, là. Ce petit je ne sais quoi qui me fait penser que ça doit être ici. Sans doute sur ce mur-là. Ah non, ah, ça peut être mieux. Peut-être ici ? Oh, tiens, oui, bah tiens. Hein ? Bonjour, c'est une arme aussi. Ah oui, c'est une arme aussi, tiens. Sympa. Allez, Kevin. Merci, Class Illusion. Après, j'ai aucun mérite. J'ai joué au premier niveau de Sonic 2 quand j'avais 9 ans. Donc depuis, je suis devenu un maître de jeux vidéo. D'accord. J'aurais pas dû rester stationnaire comme un con. Qu'est-ce que... De nombreuses erreurs ont été commises. De très nombreuses erreurs ont été commises en un laps de temps extrêmement court. C'est très impressionnant ce qui vient de se passer. Je voudrais qu'on revoie cette action ralentie parce que là... Là, on est passé de héros à zéro en moins de temps qu'il me faut un bec pour réciter le code civil. C'est extrêmement impressionnant. Et du coup, le passage reste ouvert ? Non.
contourner par là. C'est une bonne solution aussi. Ok. Dans notre collection, je ne ferai pas deux fois la même connerie. On va visiter cette porte d'abord. Oh my god, so much emmerdement. Ah ça, je pense que je peux pas le passer maintenant. D'accord. Ah, on va pas tenter le diable. Je suis trop jeune pour ce genre de conneries. Et extrêmement sexuellement attractif. Ouais. Pour un Alsacien, hein, je veux dire. Je sais que dans le reste de la France, bon, vos critères sont peut-être un peu plus élevés que ça, mais... Voilà. C'est ça l'avantage de l'Alsace, je veux dire. En Alsace, l'Alsace, 6 sur 10, c'est une bonne note, quoi. C'est tout. C'est... il faut que j'arrête de prendre des dégâts stupides. C'est une bonne remarque que vous me faites, là, le chat. Vous êtes dans le vrai. Ouais, d'accord, oui. Bien évidemment. Cette salle, c'est extraordinaire. Cette salle, c'était énormément d'émotions. Oui, pour moi, c'est un jeu de rythme aussi. D'accord, chacun va midi à sa porte. Non, je vais essayer de creuser dans les trucs au pif. Je suis certain qu'il va se passer des choses merveilleuses à un moment. Je vais juste un œil pour voir si je trouve une salle de sauvegarde en l'occurrence. Parce que j'ai pas envie de me retaper toute la progression. Il y a un secret là-haut. Il y a un secret là-haut, je le sais. Je le sens dans mon être. Dans mon colasson, comme disent les amis. Répondez pas, surtout ne répondez pas. Oui! Oui! Ah, c'est... Mais c'est tellement ce qu'on voulait. Ah, c'est tellement ce qu'on voulait pour Noël, ça. Établir rappel 1, établir rappel 2. Carte précédente, carte suivante. Eribu, Abzu. Pas Zuzu. Je me détends. Hein. Excusez-moi, je prends deux minutes, ça me fait du bien. On va aller jeter un coup d'œil de l'autre côté d'abord, même si c'est sans doute une mauvaise idée. Ce serait... Il y a un truc de santé là-haut. C'est encore une upgrade de santé. Je la veux, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour du stuff. Pourquoi je me sers pas de ma foreuse? Parce que c'est risqué. Je peux pas monter là-haut. Hein. J'ai fait ce détour pour rien, c'était une connerie. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité, ne tournez pas autour du pot parce que ça me fera du mal sinon. Soyez straight, pour une fois dans votre vie. Non, ok. Je vais donc devoir backdash. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse marche de la honte. Je ne sais pas, mais pour moi c'est un peu ça. La dure loi de Koh-Lanta. Mais avec la foreuse, plus évident. Bien, partons là en bas, je ne suis sûr que ce n'est que amour, soleil et... Pierre destructible ici. Non, pas du tout. Comment je passe ça sans me prendre la max? Alors déjà, on va creuser le truc bleu qui va avoir le malheur de passer à côté de moi. Voilà, donc ça c'est exactement ce que je voulais éviter. Ça, vous voyez ce qui va se passer là, sur votre écran? Ça c'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive.
Merci. Je sais pas si c'est un raccourci, mais moi ça me fait plaisir. Celle de sauvegarde. Allez, allez, alléluia. Bonjour. Il y a un raccourci. Démouille premier, votre leader Maximo. Bonjour. Putain, j'ai pris deux dommages. J'ai pris deux dommages sur cette anecdote. D'accord. J'ai un autre plan. Ça n'a servi strictement à rien. C'est le coup de lézard. J'adore le jeu vidéo. Je sais pas qui a dit que le jeu vidéo était une erreur, mais ce mec-là n'a jamais joué au jeu vidéo. Comment ça c'était moi? Ah, ouais. Case in point, dans ce cas. Oui, franchement, j'imaginais qu'il y avait un tombeau d'emmerde, toi. Non. Avouez que ça aurait pu être possible. Apparemment, c'est la witch du coin. Sur ce qui se cache là-dedans, là-bas. Qu'est-ce que... C'est probablement normal. Faut pas s'inquiéter. Ok. Mais je veux pouvoir sauter! Je veux faire comme Tina Arena à la grande époque, aller plus haut! Oh, tellement de frustrations! Filez-moi un fucking double jump, quoi, je vous en conjure. Oh, je vous ai vu pour la pochette, vous. Trace. Je m'appelle Elsenova. Elsenova. Tu la vois que j'ai entendu? Oui. Nous sommes reliés par la machine esprit. Tu dois réparer filtre d'alimentation, je meurs. Faut toujours essayer, il est où? Assez loin. Désolé, je dois me reposer, salut. Zoub zoub. Ah, sent pas bon du tout. Ah bah non, ah, sent pas bon du tout, non. Décharge d'électricité de faible portée. Montre un peu. Ah, et quand tu disais faible portée, tu déconnes pas, oui. Réveille-toi! Réveille-toi! Ok, d'accord. Ah putain, tu grimpes haut, saloperie. Merci pour les points de vie que tu m'as pris et que du coup j'ai pu récupérer derrière.
Je suis en train de me paumer. C'est autant au début c'était très straightforward. Là je suis en train de prendre des portes qui mènent dans d'autres portes, qui mènent dans d'autres portes, qui mènent dans d'autres portes, qui mènent dans d'autres portes. Et n'ayant jamais joué à un Metroidvania de ma vie, je ne sais même pas ce que c'est. Je plaisante. Il faut les passer au premier degré. J'ai joué à plein de Metroidvania, je vous rassure. Hein. Halo Reach, Link to the Past. Enfin, surtout ces deux-là. Donc. Ah, maintenant on est de l'autre côté de cette salle-là. Voilà. C'est une info. C'est une info que j'ai trouvée. Je sais pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais voilà. Il y avait la possibilité de faire ça en fait depuis le début. Et donc j'aurais pu louper complètement le bonus. Non, je pense pas, non. Non, je pense qu'on va arrêter là. Hein. Voilà. C'est pour la santé, c'est pour le plaisir. J'en ai besoin. On est où là, bordel? On est au point de départ. Ok. On est pour ainsi dire au point de départ. Ah, maintenant les courgettes magiques, elles sont de retour. Est-ce que je peux sauter entre le champignon et la courgette? Non. Ok, j'ai un plan. Voilà. Heureuse. Ça, il se passait quoi là-haut? Ah oui, on pouvait pas descendre, c'est vrai. Pourquoi je refais une boucle par ici, du coup? Pour aller regarder les portes que j'ai pas vues et les cons que j'ai pas vues dans la main en priorité. Ouais, c'est super intelligent, ouais. Ouais. C'est du génie. Oui, c'est plutôt des brocolis magiques. Il court plus vite que moi. Newsflash. Newsflash, il court beaucoup plus vite que moi. Merci Tempête. Ah maintenant il faut que je récupère 5 fragments comme ça. Ça y est, plus rien n'est donné. C'est ça. Flash. Alors, accessoirement, je crains qu'on ne puisse pas passer par là. Quelque chose me dit que... Il y a quelqu'un qui m'a dit que... on va descendre la porte tout en bas. C'est le meilleur plan que j'ai jamais eu. Dieu sait que des plans, j'en ai régulièrement, mais celui-là... Celui-là, faites-moi confiance. Voilà. Je vous avais dit de me faire confiance. Non, ce spoil-là était utile, parce que je serais complètement passé à côté. Et effectivement, maintenant, ça me fera réfléchir un petit peu. Non, mais je vais... Pardon. Pardon, Dame Tempête. Je vais... On va essayer de s'y mettre.
Enfin, juste que tu modifies ton pseudo sur Twitch et ça se passera très bien. Donc... Y'a quelqu'un qui... Non, d'accord, j'ai essayé le Carla Bruni. J'ai essayé l'attaque flash Carla Bruni, ça n'a pas fonctionné. Y'a quelqu'un qui... Non, toujours pas. Que tu m'aimes, hein. Non. Il arrive à m'avoir de super loin, ce con. Oh, y'en a partout, maintenant. C'est une infection. Faut éteindre sa lumière qui les attire. Mais vous êtes sûr du coup? Ok. Je veux ce truc là en bas. Je veux ce truc là en bas, je fais comment pour l'avoir ? Pardon, excusez-moi, j'ai le Mister Vane qui pousse de temps en temps. Non, mais là, ça devient chiant, là. Là, ça devient chiant et j'aimerais que vous arrêtiez. Il m'a vu. Non, pourquoi je suis sorti? Ok. C'est une ambiance, hein. Non, mais c'est une ambiance. C'est une ambiance. Ah oui, c'est une grosse ambiance, même. C'est le Greenerfield. Greener, c'est pas les... C'est pas la race dans Warframe. Toujours est-il. Bonjour à toi, bienvenue dans la maison du bonheur. Ça fait beaucoup de calcium, hein, oui, je te confirme, là. Et toutes les vitamines et tous les minéraux dont tu peux avoir besoin. J'ai oublié d'enlever ça. J'oublie toujours d'enlever le message de... Ah, il y a un jeu à gagner à la fin du stream de hier. Faudrait que j'enlève. Oui, c'est comme les cartes magiques ou les cartes Pokémon. Bon, sauf que c'est des corps, quoi. Mais à part ça, c'est la même chose. Je suis certain que chez Dame Dame ou chez Zul, vous avez la même chose. La jeunesse éternelle a un prix. Hein. Ouais, bah vous savez quoi, oui, allez. Maintenant qu'on a une barre de vie deux fois plus grande, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Existe-t-il seulement encore un moyen de nous stopper? Mais Behar aussi, c'est pas... Bonjour! Démon, oui, ça on sait. Foutre, je veux aucun mal, on pourrait peut-être en parler, non? Parler? Oui, ok. Je m'appelle Trace, et j'ignore comment je suis arrivé là, mais... Démon, Athos a dit tuer. Eh bien, tu l'auras voulu. On l'aura vraiment voulu parce que je... J'ai un peu peur qu'il nous tartine le blé, en fait. D'accord, faut taper deux, ok. Merde. Non, on peut pas se baisser pour les éviter. Très bien.
Mais il tire sur les deux trucs en même temps, c'est pas légal ça, monsieur l'arbitre. D'accord. Je peux monter sur son canon. Non, je ne peux pas. Alors, je veux bien un tips. Je suis ouvert à l'idée d'avoir un tips, déjà, oui. Parce que là, il me semble qu'il y a quelque chose d'évident qui m'est passé à travers. Et par quelque chose d'évident qui m'est passé à travers, je parlais de ces balles qui ont traversé mon corps à de très nombreuses reprises. D'une manière particulièrement désagréable. Damage Boost passe derrière lui. Ça se tente, ça. C'est risqué. J'aime bien le risque. Salut, Kevin! Il paraît qu'il y a promo sur les rectums ici, c'est... Ça tombe bien, je t'en fais un nouveau, c'est offert. Ah mais c'est immonde ce qu'on est en train de vivre. C'est la mort de l'e-sport. C'est terrible. Oh c'est terrible. Oh je suis pas fier. Oh c'est laid. Oh c'est moche. Oh non. Non, je vais encore crever comme ça. On est d'accord que si je trouve le moyen de crever comme ça, c'est une forme de génie. Hein. Ah oui, je devrais avoir honte. Bon, je l'ai pas, hein, parce que la honte est un sentiment qui m'est complètement étranger. Mais je devrais avoir honte. Et je gagne pas un super bonus spécial pour avoir battu le boss ? Et pour mon talent, et ma maestria, et le fait que je n'ai pas connu le sentiment de peur. Je crois que c'est ici. Je crois que c'est ça ce que je cherche. Comment on restaure les blocs et ennemis inférieurs ? What ? D'accord. Ok. On part comme ça en fait. C'est vraiment ce qu'on va faire. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça y est, j'ai compris où vous voulez en venir. Ça permet de monter là-haut, ok. Je croyais que c'était un truc de santé. Jeebus fucking Christ. Fils de Dieu tout puissant. Ça va loin votre merde, hein. Me cachez rien. Est-ce que c'est une grosse upgrade de santé? Oui. Tire, tire, retrouve le bouton de tir, Kevin. C'est maintenant, c'est ta voix, c'est ta chance. Ok. Non! Tout va bien, j'ai plein de santé maintenant. J'ai plein de santé, un sexe de 45 cm et un salaire d'ingénieur. Là. Ouais bien. Je vais aller m'enfermer dans le Tenga. Et tout va très bien se passer. Oui, c'est ça le truc. C'est ça le problème que j'entrevois très rapidement. Hey, bien sûr. Bien sûr que je t'ai vu. Tu crois que tu m'as surpris? Pas du tout. Moi avoir peur? Ah bah ça me ferait mal au zboub. Hein. Ah, permets-moi de te le dire. Non, moi la peur, c'est entièrement étranger à ce sentiment. Hein, je
je l'ai dit, je le répète. Qu'est-ce que... Pourquoi bro? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle connerie? C'est même Xendur, j'ignore comment il le sait, mais je sais qui est... Mais je le sais. Il trouve une telle chose possède un langage. Encore plus qu'il possède sa propre identité. Alors combien de temps je vais tenir? Je perds un peu plus chaque jour. Le son est une vibration assourdissante. La vue, un feu kaléidoscopique. L'odeur et le goût ouvrent des mondes de terreur. Alors ça, c'est quand j'ai essayé de faire de la cuisine la dernière fois et j'en suis encore désolé. Le toucher est le pire. Une masse qui démange, picote et se contorsionne. Elle s'étend et supplante. Il n'y aura rien à sauver quand tout sera fini. Mais à part ça, ça va du coup. À part ça, je veux dire... Tu prends les choses avec un peu de philosophie quand même. Enfin, tu te laisses pas abattre, quoi, c'est ce que j'essaie de dire. Oh non, pas eux. Est-ce que je peux les glitchmas? Non. Ou alors fallait que j'essaie plus longtemps. C'est le premier Axiom Verge, c'est bien ça. Non, je ne peux pas les glitch smash. Je suis en train de me faire tartiner la raie parce que j'ai essayé de jouer au malin. Et qui joue au malin ? Tombe dans le ravin. On est de retour dans cette salle. C'est mon dubstep gun. J'ai un rythme de malade avec. Goûte mon flow. Pardon, excusez-moi, je... C'est bon, je kiffe la vibe, quoi. Vous êtes pas chiant non plus. Est-ce que je vais crever? Oui, bien sûr. De manière imminente, c'est une certitude, oui. C'est... Est-ce que ça vaut le coup que je revienne par là? Techniquement oui, mais techniquement non. J'ai un plan, faites-moi confiance. Ok, mon plan en fait était si j'avais une autre arme. Si j'avais une autre arme, mon plan aurait fonctionné. Mais je me suis planté d'arme. Donc, mais j'avais un plan. Et mon plan c'est de revenir là pour découvrir le reste de la map. Parce qu'il y a un truc sur le côté là que j'avais pas vu. Heureusement que tout se passe comme prévu, parce que sinon j'aurais pu me ridiculiser à l'antenne devant des millions de personnes qui auraient vu basiquement mon pénis d'ado affiché à l'antenne. Mais non, tout va bien, hein, on est rassuré. Voilà, on n'en est pas là. Il y a un passage par ici. C'est par là, la suite du niveau, je le sais. Jamais une erreur de commise. Jamais une seule erreur de commise. La certitude de ses convictions. La solidité d'un slip. Non mais vous allez me faire le... Non, ne faites pas des coups comme ça.
Me faites pas le coup de planquer des trucs dans les murs comme ça, ça va pas bien se passer. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Bon bah voilà, je pense que là c'est plus clair pour tout le monde du coup. Je suis content qu'on ait pu régler ça. Ça permet de régler le débat, je crois que tout le monde était un peu stressé sur le dossier, voilà. On a pu mettre les choses au clair, on est content. Oh, je vous aime déjà pas, vous, les espèces de petites vis aussi fermes. Ou comme je les appelle, des bisques aussi verbistes, toujours. En 5 cases, tartine, mais c'est aussi tartiné. J'adore les mots fléchés. Je soupçonne l'Amazon Vidéo de vouloir relancer la trilogie du samedi, c'est la mixion, je crois. Quitte à relancer un truc... Pourquoi je descends là en bas alors qu'il n'y a rien? Pour l'exploration, l'aventure, le funk. Ok. 1 minute 30 de... Dame tempête! Eh ben écoute... Voilà. Je valide. Bonjour Dame tempête, bienvenue dans la maison du bonheur. Oui, je suis con, j'aurais dû essayer de creuser partout. Non, j'aurais pas dû essayer de creuser partout, ce stream va être chiant. Excusez-moi, il faut que je lutte contre moi-même parfois, c'est un peu compliqué. Tu as changé ton nom de chaîne. Ben écoute, soit. Personnellement, je trouve que ça te va mieux. Mais bon, voilà, hein, ça n'est que mon avis. Hey! Les points de sauvegarde, toujours plaisir. C'est bien, hein. Ce matin on aura testé 3 jeux et on aura assisté à une naissance. C'est cool quand même. Je l'imaginais beaucoup plus dur que ça, pour être franc. Parce que j'en ai entendu un peu des rumeurs qui disaient « Ah ouais, non mais... On va voir, c'est vachement trash comme jeu. C'est ultra exigeant. Est-ce que je peux l'avoir avec mon Turbino Zinger, celui-là ? Pourquoi j'ai pas le Turbino Zinger? C'est ce que je veux. Non. Non, je ne peux pas. Par contre, il y a une porte là-haut. Oh, smells like grosse emmerdement! Arzo, grosse emmerdement! C'est pas raciste, je suis alsacien. J'ai vu un glitch là. Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. J'ai vu un glitch ici aussi. Ça, je suis quelqu'un d'extrêmement observateur. Allez, reviens par là, couillon de brocoli. Merci. Je vais y arriver. Je vais y arriver first try, faites-moi confiance là-dessus. Si j'y arrive pas first try, vous pouvez demander un remboursement de votre abonnement. Par mail. À l'adresse mail habituelle, hein, pro@mrmb.fr. D'accord, donc ça marche pas sur ces trucs-là, par contre. Donc je me suis tapé toute cette montée pour rien.
peut demander un remboursement du follow. Alors non, mais vous pouvez unfollower éventuellement Atomium. Donc, après tout, c'est un jeu indé, donc c'est un peu sa faute. Donc je l'imaginais plus dur que d'arrêter de tricher sur les boss. Ah non, mais alors là, tout de suite, les accusations fallucieuses. Et si on le follow pas, bah unfollowez-le et unfollowez dans la foulée. Je veux dire, ça me paraît être la réaction la plus logique. Non! Attendez, j'ai une idée. Ah non, merde, parce que maintenant que j'ai cassé les trucs, je les ai plus. J'aurais peut-être pu monter là-haut en... Oui, d'accord. Parce que ça, ce sont des plateformes, du coup. Ah, j'ai cassé le... machin. J'ai pas fait exprès. Par ici, si on est en vue. Oui. Bon, cassons-nous. Vas-y, il y a ceux qui pèlent et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Il y a quelque chose dans cette salle, il y a quelque chose que je veux. Je sais pas ce que c'est, mais je le veux. J'ai jamais voulu quelque chose aussi fort depuis 4 bonnes minutes. Oui! Oui! Je me sens plus puissant! Bon, il est midi 45. On va essayer d'atteindre le prochain point de sauvegarde et nous allons arrêter ici. Puisque cet après-midi, nous allons dans ce qu'on nous appelons en interne le temple du démon. Oh mon dieu, mais tu es petit et chiant! J'ai failli te renommer avec le nom d'une célèbre streameuse. Pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est une blague. Bonjour Morrigan. Nous allons aller au temple du démon cet après-midi, aussi connu sous le nom de Ikea. On va aller bouffer des boulettes et aller regarder des meubles. Donc nous allons partir tôt. Pour des raisons évidentes de détestation de soi-même. C'est chiant votre vapeur là. Bon, toi normalement, si je trouve le bon angle, tu es gratuit. Oui. Ah, vous êtes chiant là avec votre vapeur par contre. Tu sais que tu peux même les acheter, pas que les regarder. Non, à cause de ce qu'on appelle l'argent en fait. L'argent est un concept de droite qui a été inventé pour que. Les gens ne puissent pas acheter des choses. Même si déménagement oblige, un jour ou l'autre il va falloir. Mais bon. Espérant qu'on aille signer les papelards, quelque part dans la semaine, je vous tiendrai au courant. Vassac, que je conseille. C'est du futur atelier de la cuisine. Cool. T'es à la cool, toi? Tu as l'air d'être à la cool. Toi, par contre, tu n'es pas à la cool. Toi, tu es un petit chiant. Le sweet spot. Toujours le sweet spot. Salle de sauvegarde. Eh bien, écoutez. Non, le principe, ça va être de... Enfin, je vais vous expliquer ça après la sauvegarde et quand on reviendra en mode chatting. C'est Axiom Verge. C'est vraiment très très bien. J'ai pas vraiment vu le temps passer. C'est vraiment très très bien, un excellent Metroidvania, du coup, la suite qui vient de sortir, on la testera peut-être à l'occasion, mais je vais d'abord essayer d'explorer encore un petit peu plus cet épisode-là, encore une fois, puisque double point l'argent. Voilà, allez, au revoir YouTube.